Hey, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau format parce que j'ai envie d'un petit peu changer. Un peu la même thématique mais j'ai envie de changer quand même. Donc là, bienvenue à Bordeaux déjà. Oh, on peut applaudir. La fête foraine, regarde, tourne. Waouh. Le principe c'est quoi? C'est que je vais faire un petit peu le tour. Donc là on va aller à la rue Sainte-Catherine, la plus grande rue commerçante d'Europe. On va regarder un peu les magasins dits basiques. Et il faut savoir que moi je galère à trouver des vêtements. Et je voulais vous montrer en vidéo que c'est vrai qu'on va galérer pour les femmes qui portent le voile. Je vais vous amener avec moi, comme ça nous allons... Enfin, je vais vous prouver que voilà, c'est compliqué quoi. C'est pas que pour les femmes qui portent le voile, mais aussi des femmes qui sont même pas musulmanes et qui ont envie en fait de s'habiller entre guillemets modestement. Regardez, vous voyez ce genre de vêtements? Ça, même si t'es pas musulmane, t'en as et kiffe hein. Genre une grande tunique noire, vraiment pas exclusivement pour les femmes qui portent le voile cette vidéo. C'est vraiment pour vous montrer que si vous s'habillez pudiquement, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc on va vous montrer ça en vidéo et c'est parti. Donc là c'est parti, on va rentrer à Mango. Ça voulait dire qu'un point. 90 balles, ça va. C'est pas assez bon, tu vois. Si tu l'habilles avec une grande veste, je pense que ça peut aller. Mais c'est quand même galère. Le problème, c'est que quand tu trouves un truc long, et bien là, il y a un décolleté. Donc là, c'est super. Et en plus, la matière a fait que je pense que ça sera hyper moulant. Il y a toujours un truc qui va pas. Là, c'est ouvert. Là aussi, oh là. Ça, c'est grave, ça. Moi, ça, c'est un t-shirt. Ça, c'est très grave. Mais si tu mets avec un truc, c'est pas une robe, ça. Non, en fait, ça, le problème. En plus, ça, c'est échancré. Ça veut dire... C'est galère. Bon, on va continuer. En vrai, moi, j'aime trop ce genre de sang, mais tu le mets ça chez toi, tu vois. Pour dormir. Non, la matière, elle est cool, je trouve. Alors là, par contre, ça, normalement, par contre, ils sont forts. Bah, là, je me triche parce qu'on commence par... Ça, c'est quelque chose que je pouvais prendre. J'hésite à prendre. Elle est magnifique, hein. Franchement, ils sont forts. Même là, regarde. Ah non, là ils sont forts. Ok, bon maintenant go Zara. En vrai, il y a des pièces. Voilà. Là, c'est échancré. Attends, on peut pas le. Il n'y a pas de bouton. Ok, là aussi c'est des. Manche courte. Tu mets un col roulé? Oui, mais bah, un col roulé qu'une robe. Oh, ça va. Attends, elle est trop belle. Elle est calme, c'est en dents. Elle est trop belle. Elle est calme, c'est bien. Ah ouais, la chemise, elle est bien. La coupe, elle est trop bien. Il la coupe comme ça. C'est trop bien. Il y a les droits d'auteur, donc ça va être un petit peu galère. Parce qu'il y a la musique et tout. Et YouTube, sponsorisez-moi là, parce que là, je suis en vrai taf. Donc là, on commence bien. En vrai, c'est bien parce que s'il y a des vêtements courts pour les gens qui prennent des vêtements courts, mais moi, vu que je veux des vêtements longs, je m'en trouve pas. C'est plein de vestes qui sont longues parce que ça commence à être tendance. Je cherchais une tunique simple comme ça. Une tunique simple. Et on trouve pas pour l'instant. Et Pinky, là, par contre, ils sont pas malins. Elle est trop belle. Hein. 50 balles pour un trench. Non, en vrai, c'est cool parce que regarde, là, en fait, on en trouve des vestes. Il n'y a pas de tunique. Il y a pas de tunique. Tu trouves une tunique, bah, c'est décolleté en fait. C'est dommage. Tiens, ça va. Ça passe. Le bilan pour l'instant, ça on a fait quelques dresses. Mais en moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'on essaie de trouver une tenue complète pour une femme qui s'habille en mode modeste. Quoi, elle fait quoi? Donc du coup, ce qu'on a fait pour l'instant, on a fait quoi? On a fait Zara, Mango et Pinky. Voilà. Et on va continuer à chercher, hein. J'espère qu'on va y arriver. Juste une tunique. Bah attends, on va Citadium. Pas mal de trucs là. C'est streetwear, tu vois. Si tu veux être classe, ça dure, on est pas mal. J'espère qu'on va trouver notre bonheur. C'est trop beau. Et tu mets ça avec un beau pantalon blanc large là. Tu sais quoi, je vais essayer tout à l'heure. Et je pense que ça va être trop large. Trop petit. C'est un gay quoi. Je pense. On va essayer. Oh, en plus, j'ai pas pris de collant. Revisiter à l'italienne chez. Tu vas essayer ça? De quoi? Regarde. Ça, je pense que ça va être pas mal. C'est un peu long ça. Alors, du coup, chez Stradivarius, on fait pas mal de trucs, mais vous avez vu la queue juste avant? Non, en fait, j'allais pas faire la queue pour ça quoi. Donc, on a trouvé des jupes lissées, on a trouvé des longs hauts. Donc, Stradivarius, ils sont pas mal là-dessus. Bershka, on teste? Non.
matière, elle est... On dirait un kawaii, genre. C'est trop... Je pense que c'est un jean. C'est une robe simple, mais toujours pas. Toujours pas... Hein? Brassière. Alors du coup, Bershka, on a encore moins trouvé des choses. En fait, moi, je vais dans des magasins, je prends des trucs gras, basiques, et je prends des vestes hyper longues. En été, c'est hyper galère de trouver des robes et tout. J'arrive pas à en trouver une normale, tu vois, sans décoter, sans... On n'en a pas. Après, en soi, si tu l'habilles, etc. Oui, mais quand t'as chaud. Alors maintenant, direction, on va aller à Begler Rive d'Arsin. Je sais pas si vous connaissez, bref, c'est un grand centre commercial. Parce que déjà, il y a du monde. Et en plus, je peux pas essayer des vêtements, je peux pas vous montrer. Donc à Saint-Catherine, franchement, on n'a pas trouvé grand chose. Donc là, on va aller à Rive d'Arsin. Et je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose. À présent, nous allons à H&M. Mais c'est bon, on est sérieuse. Attends, on va voir si on va aller chez H&M. Et par H&M. Par H&M, hein, comme on dit dans le jargon. Et puis bah, on va voir s'il y a des pièces quoi. Juste ça parce que là il y a moins de monde et je pense que ça va être pas mal. Je pense qu'on va refaire un tour chez Mango de ici pour voir s'il y a des choses. Non, mais il n'y a pas de problème. Toi tu vas venir, toi. T'es obligée. Regardez. Elle est trop belle. Et on va la retrouver. Mais, ah, mais c'est ça. Je vais la tester. 35 balles. Alors, XL. Moi j'aime bien prendre un XL. Tu vois. Vos démons, je pense que ça va être trop grand, non? Ça va être bon. Elle est trop grande jupe. Elle est hyper large. Attends, je vais la tester elle aussi. Alors, elle, non mais c'est magnifique. Attends, elle coûte combien? Ouais, c'est ça, c'est à 30 euros. Oh, mais elle est incroyable par contre. Ça, tu vois, tu peux le mettre tout seul. En plus, ça va trop bien avec ce hijab. Tu sais quoi, je vais l'essayer ça aussi. On va le prendre. Et c'est hyper long, hyper large. Il n'y a pas de problème de décolleté, tu vois, c'est bien et tout. 20 balles en plus. H&M, ils sont forts. Hein. Ici, là. Elles sont pas. C'est ringard. Non, c'est pas c'est bon. Ringard. Ouais. C'est pas bon. Bah, je pense qu'on est bon là, non? Ouais, vous en pensez quoi? Ouais, c'est bon. Mais franchement, H&M, ça va. Vas-y, cabine sage. Allez, c'est parti. Trop chaud. Avec leur voile noire, ce serait mieux parce que là, marron, ça va trop. Je vais prendre le noir. Ah, franchement, on a bien regardé. Devant, tu vois, j'ai mis un petit peu trop et derrière, ça fait long. Faire classe, mais autant avec des baskets, ça peut grave passer. Non, mais j'aime leur sein. Elle est large. Elle est, regarde comment elle est large et tout. Elle est trop fine. Et la matière, elle fait pas que c'est moulant en fait. Ça, je le prends. En plus, ça, il va faire que pleuvoir les jours suivants. Hein. Regarde moi ça. Ça pue, ça pue. Parce qu'attendez, il croit que quand il pleut, on a le voile, ça y est, ça protège. Parce que ça abîme la matière de hijab. Donc là, c'est plutôt bien. Bon, je l'ai un peu mal mis, mais t'as compris le concept. Tu valides ou pas? Je valide. Oh. Des grosses poches. Là, on est quelqu'un. Bon bah du coup c'était la fin de ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas du coup à me suggérer d'autres idées de vidéos si vous voulez que je teste quelque chose, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me suggérer d'autres types de vidéos comme celle-ci pour relever un défi ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis voilà, je crois que... Mais ah oui, du coup tout ce qu'on a trouvé c'est chez H&M. Genre on a trouvé plein de pièces, mais le reste pas grand chose. En fait vous allez surtout viser sur tout ce qui est veste etc. pour les autres magasins. Donc par exemple comme Stradivarius, Bershka, tu vas prendre des basiques. Et H&M c'est mieux... les ensembles, genre les tuniques. Du coup, voilà.